Salut les gars, aujourd'hui vidéo un peu spéciale car je vous ai créé un PDF des 100 films à avoir vu. Quand j'étais étudiant cinéma, il y avait des livres qui recensaient bon tous les grands classiques, hein, on les connaît. Mais ce que je trouvais dommage, c'est qu'il n'y avait pas d'anecdotes ou de direction pour analyser ou faire attention à certaines mises en scène. C'est donc ce que j'ai fait dans cette liste. Pour chaque film, la plupart du temps, je vous ai mis ce qui, à mon goût, est à retenir si on veut aller plus loin dans la compréhension, dans la mise en scène ou dans la technique. C'est à télécharger via le lien en description, et c'est bien sûr entièrement gratuit. Pour choisir les films, je me suis donné plusieurs critères. Qui ne figure pas dans les listes habituelles, hein, bon, il y en a quand même Carta Citizen Kane, hein, c'est pas possible de passer à côté, mais bien la moitié des films sont sous-cotés, voire inconnus pour certains. Qu'ils ne fassent pas partie des films en général qu'on analyse à la fac, hein, parce que y a rien de mieux pour te dégoûter du cinéma si tu commences par les fameux films polonais des années 70. Non, là c'est uniquement des films que j'aime ou que j'estime être très intéressants. Exemple, Hours avec Paul Walker, vous ne l'avez pas vu, et pourtant en tant qu'acteur, j'estime que c'est son meilleur film. Attendez, c'est bon, je crois que. En plus je l'ai là, pas loin. Attends. Je l'ai. Il est où? Il est où? Où qu'il est? Où qu'il est le bougre? Non mais ça c'est ma faute, tu vois, j'aurais dû le sortir avant le tournage, machin. Faudrait créer une IA pour ceux qui ont une collection, tu vois, comme ça, pour retrouver où est le foutu film. Hours, non, ça c'est 13 Hours, enfin 13, version française, non, il est où? Là je suis juste dans la phase en fait où je cherche mais je ne trouve pas. Ah bah il est là, voilà, il est là tout simplement, voilà. Tac, je vous conseille ce film, il est vraiment excellent. Voilà, un peu tout ça pour ça, mais... là, je l'ai trouvé. J'étais où? Voilà, il est là. Voilà, je vais y arriver. Et troisième point, qu'il soit disponible sur les plateformes de streaming, hein, parce que c'est important que ce soit facile d'accès pour vous, se motiver vraiment à faire les 100 films. Vous verrez, il y a sûrement une bonne partie que vous avez déjà vue. Ça, c'était mon téléphone. J'espère que ça vous plaira. Normalement, vous pourrez directement laisser un commentaire dans le document en ligne, ce que je vous invite à faire lorsque vous aurez vu un des films de la liste. Je vous prépare aussi une liste des 100 séries à voir. Enfin, je vais sûrement réduire le chiffre quand même, hein, et aussi des 100 documentaires à avoir vus. Je ne vous ferai pas d'annonce, ce sera directement disponible via le lien en description directement. Et pour finir, en termes de cadeaux, comme ça va être Noël, c'est que j'ai remis en ligne toutes les anciennes vidéos de la chaîne lorsque je faisais des critiques à deux dans ma voiture. C'était le tout début de la chaîne et ça a été un échec pour trouver une partenaire sur le long terme. Bon, je vous préviens, c'est loin de ce que je fais aujourd'hui, hein. C'était surtout un format qui avait vocation à être écouté. En tout, il y en a 70 et je les laisserai en ligne tout le mois de décembre. Donc, si vous avez envie d'écouter des trucs, bah vous avez de quoi faire. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai lancé ma chaîne sur Tipeee. En fait, début novembre, YouTube a suspendu la monétisation de ma chaîne pour, soi-disant, réutilisation de contenu d'une autre chaîne. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez bien que je fais entièrement toutes les vidéos moi-même, donc c'est totalement injuste. Je pense que c'est suite à une multitude d'attaques, cyberattaques, hein, sur la chaîne que le robot YouTube, en fait, il a tout bloqué. J'ai contacté YouTube France, qui ne veut rien faire avant début février. Ils m'ont confirmé un peu que ces accusations étaient fausses, mais soi-disant, selon eux, c'est YouTube États-Unis qui s'occupe de ça, et ils ne peuvent rien faire avant au moins début février. Enfin, on parie combien que si j'avais eu 200 000 abonnés, ça aurait été réglé dans l'heure, hein. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de lancer ma chaîne sur Tipeee. Pour être un peu indépendant de YouTube, parce que avec YouTube, en fait, on sait jamais, ils peuvent me couper les vivres un peu du jour au lendemain, c'est ce que j'ai appris avec ça, c'est genre pendant 3 mois, chouk. Imaginez si je vivais de ça, hein. Comme ça, pendant 3 mois, on te dit, t'as plus de salaire. Bon, après, la YouTube monnaie me rapportait genre 20 euros par mois, donc c'est pas une grosse perte, c'est surtout moralement que... ça fait chier, voilà. On va dire les choses clairement, voilà. Donc, si vous aimez ce que je fais sur la chaîne et que vous avez envie de m'encourager moralement, eh bien, à votre bon cœur, Tipeee est là pour ça. D'ailleurs, j'ai changé la bannière de la chaîne. De base, je voulais les lettres avec le jaune, là, de la chaîne, mais je trouve que cette version était pas mal. Enfin, franchement, en fait, j'ai appuyé sur un truc sur Photoshop sans le faire exprès, c'est apparu comme ça, je me suis dit « Ah bah, pourquoi pas ?» Bon, avant de finir, j'en profite pour vous montrer quelques photos des décors de Star Wars en Tunisie. Ceux utilisés pour la prélogie, hein. Ma mère y est allée début octobre et m'a envoyé les photos. Tout est encore en bon état, ce que je trouve très étonnant car les décors sont construits de sorte à rester debout 3 à 6 mois. Là, c'est l'envers du décor.
En fait, lorsqu'ils construisent des décors, ils utilisent principalement du sapin non traité pour faire tenir le tout qu'on voit ici. Mais ils utilisent ça parce que c'est forcément du sapin non traité, c'est le moins cher, donc on essaye de faire des décors les moins chers possibles. J'espère vous faire un jour une vraie vidéo complète faite sur place. Ça fait partie d'un circuit touristique dans le désert, incluant aussi cette arène visible dans le Gladiator. Il me semble que c'est la première arène. Enfin bon, voilà, j'avais envie de vous partager ça. Je vous parlerai plus longuement de l'actu de la chaîne fin décembre dans la vidéo de fin d'année. En attendant, comme toujours, je vous fais des bisous.